Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler d'applications bijectives. Donc, on parle d'une application F qui va d'un ensemble A vers un ensemble B. Nous représentons ici l'ensemble A, ici l'ensemble B. Même chose sur le diagramme cartésien. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on parle d'application, on regarde ce qui se passe dans l'ensemble de départ. Ici, on comptabilise le nombre d'images que possède chaque élément. C'est une application si chaque élément possède exactement une image. Donc, dans le diagramme sagittal, on va regarder s'il y a une flèche exactement qui part de chaque élément. Et surtout, dans le diagramme cartésien, on va regarder si un X possède exactement une image, Y en l'occurrence, sur l'ensemble B. Et par contre, pour parler de bijectivité, on va regarder ce qui se passe dans l'ensemble d'arrivée, dans l'ensemble B. On va comptabiliser, donc un petit peu le même principe, mais on va comptabiliser le nombre de préimages que possède chaque élément. Si chaque élément possède exactement une préimage, alors l'application sera bijective. Ainsi, par définition, une application est dite injective si tout élément de l'ensemble d'arrivée possède au plus une préimage. Une application est dite surjective lorsque tout élément de l'ensemble d'arrivée possède au moins une préimage. Et enfin, une application est dite bijective lorsque tout élément de l'ensemble d'arrivée possède exactement une préimage. Ainsi, bijective signifie injective et surjective. Ainsi, avec une fonction f ou une application, nous avons le test de la droite verticale pour savoir s'il s'agit d'une application. Dans l'exemple ici, je peux tracer ma droite verticale n'importe où, j'aurai exactement un point d'intersection. Donc chaque élément va posséder exactement une image. Et j'ai ce qu'on appelle le test de la droite horizontale pour tester si l'application est bijective. Si chaque droite horizontale coupe la fonction en exactement un point, ça signifiera que la valeur correspondante aura exactement une préimage. Ce qui est le cas pour la droite que je viens de tracer. Par contre, ce n'est pas le cas pour cette droite-ci, puisque la valeur, appelons-la 2 par exemple, possède une, deux, trois préimages. Donc cette application est non injective, puisque pour qu'elle soit injective, il faut que chaque élément possède au plus une préimage, et donc elle est non bijective, puisque chaque élément doit posséder exactement une préimage, ce qui n'est pas le cas ici. Prenons une autre application. Désolé, c'est très sommairement tracé. Voilà une autre application. Le test de la droite verticale fonctionne. Le test de la droite horizontale, bien, me renseigne sur le fait que chaque droite horizontale va couper la fonction en exactement un point. Ça veut dire que chaque valeur ici possède exactement une préimage sur l'axe des abscisses. N'importe quelle valeur sur l'axe des ordonnées possède exactement une préimage sur l'axe des abscisses. Voici une application qui est bijective. L'application qui à x associe 2x plus 1, on sait, elle est bijective, pardon, on sait que sa représentation graphique est une droite. En l'occurrence, elle passe par l'ordonnée origine 1 et elle est de pente 2. Si j'avance de 1, je monte de 2 unités. Donc voilà sa représentation graphique. Ainsi, c'est OK pour le test de la droite horizontale, puisque bien sûr, chaque droite horizontale, comme on a affaire à une droite pour la représentation graphique de la fonction, va couper la fonction en exactement un point. Chaque point va posséder exactement une préimage. Ce qu'on peut également vérifier avec le calcul, puisqu'on a f de x, appelons-le y. Donc 2x plus 1 égale y. Donc nous avons y qui est ici, x qui est ici. Et ce que nous cherchons à faire, c'est isoler x pour déterminer quelles sont les préimages possibles. Donc 2x est égal à y moins 1, et si je divise par 2, x égale y moins 1 sur 2. Donc j'ai pu calculer la préimage. La préimage de 5, si je prends y égale 5, alors la préimage de 5, c'est 5 moins 1 divisé par 2 qui me donne directement x égale 2, etc. Je pourrais le tester sur d'autres préimages. Mais ça veut dire que comme j'ai une application qui est bijective, chaque élément de l'ensemble de départ possède exactement une image dans l'ensemble d'arrivée.
et chaque élément de l'ensemble d'arrivée possède exactement une préimage, ça veut dire qu'il existe une application réciproque. J'ai ici l'application F et il existe une application réciproque qui fait en quelque sorte le chemin inverse. Ici, l'application réciproque à, si on veut, à Y va associer Y moins 1 divisé par 2. Donc, va associer X à Y. On associe X par l'application réciproque. Par contre, usuellement, on a l'habitude d'écrire une application avec X comme valeur, comme variable. Donc, à X, on va associer X moins 1 divisé par 2. Voilà pour cette application. Si je prends l'exemple 6, 1, 2, nous avons une autre application qui est l'application F, qui à x associe 1 sur x carré. Ça se présente un petit peu comme ceci. Désolé pour la précision, vous le faites dans GeoGebra, ça ira beaucoup mieux. Donc, ici, on a un premier problème, c'est que les valeurs négatives ne possèdent pas de préimage. Donc, il s'agirait éventuellement de changer l'ensemble d'arrivées pour éliminer toutes les valeurs négatives. Et puis par contre, on a un autre problème ici. Donc avec le trait vert que je viens de tracer pour l'instant, la fonction est non surjective, puisque chaque élément ne possède pas au moins une préimage. Et difficulté avec la droite horizontale que je trace maintenant, c'est que chaque élément strictement positif possède exactement deux préimages. Donc l'application est évidemment non bijective, ce qu'on va vérifier également par le calcul. Même principe, on pose y comme image, y est donc égal à 1 sur x carré, donc x carré est égal à 1 sur y, ce qui signifie qu'il faut que y soit strictement positif pour que cette égalité puisse être respectée, et dans le cas où y, parce que si y est négatif, je ne peux pas avoir x carré qui donne un nombre négatif. Et donc, x est égal à ce moment-là à plus racine de 1 sur y, où x est égal à moins racine de 1 sur y, ce que je retrouve ici. Si j'ai un y positif, j'ai racine de 1 sur y, ou moins racine de 1 sur y, qui sont les deux préimages. Donc ce n'est évidemment pas une application bijective. Par contre, on peut la rendre bijective en changeant son ensemble de départ et d'arrivée. Ce qu'il s'agirait de faire, c'est par exemple de ne garder que la partie positive de l'axe des x et la partie positive de l'axe des y pour avoir une application qui ressemble un petit peu à ça. Donc on garde bien sûr f qui à x associe 1 sur x carré comme étant la valeur de y. Mais à ce moment-là, on doit modifier l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Alors pour l'ensemble de départ, on a r plus que les valeurs positives, et comme ensemble d'arrivée, on a également uniquement les valeurs positives de R, donc on est en dessus de l'axe des abscisses, ce qui fait R plus également comme ensemble d'arrivée. À ce moment-là, l'application est bijective en ayant simplement modifié les ensembles de départ et d'arrivée. On va le faire également avec voilà, considérons l'application qui a x pardon, associe x carré moins x moins 6. On sait qu'il s'agit d'une fonction quadratique, donc sa représentation graphique est une parabole. Et effectivement, ce n'est pas une application bijective, puisque si on trace n'importe quelle droite horizontale en dessus de la valeur moins 6,25, eh bien, je vais avoir deux préimages. Donc l'application est non injective. Et si je trace une droite horizontale en dessous de moins 6,25, qui est l'ordonnée du sommet, alors je n'ai pas d'intersection, donc l'application est non surjective. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est rendre cette application bijective. Donc, ce qu'il me faut faire, c'est en définitive ne considérer que la moitié de la parabole, cette moitié-ci, pardon, et donc prendre comme ensemble de départ l'ensemble. Alors le sommet est de coordonnées 0,5 moins 6,25, vous l'avez ici.
0,5 comme abscisse, ce qui veut dire qu'on va prendre pour les x depuis 0,5 vers plus l'infini. Donc je vais prendre comme ensemble A l'ensemble 0,5 jusqu'à plus l'infini. Et comme ensemble B, je vais prendre, alors cette fois-ci, de moins 6,25 qui est l'ordonnée du sommet. Je prends à partir de là, pour éviter le problème de non-surjectivité que j'avais auparavant avec la droite. Et donc, je prends comme ensemble B, ici, moins 6,25 jusqu'à plus l'infini. Et en prenant ma fonction f, non pas de R vers R, mais de l'ensemble A vers l'ensemble B, ça équivaut à éliminer cette partie-ci de la parabole. Alors, j'obtiens une application qui est une application bijective. Voilà, on poursuit dans une prochaine vidéo avec l'application réciproque. Merci pour votre attention, à bientôt.